et bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On continue notre petite partie sur OTS. Même si elle va être supprimée pour recommencer une, vu que maintenant il y a le Middle East qui est sorti pour la promo. Peut-être un peu trop sympa. Là ça va être bon. Allez, un petit camion. Offre de traction. Mais si on n'hésite pas à partager. Par là. C'est parfait ça, avec des radiateurs. Oh. Une Afton, il aura pas trop du mal normalement. Bon, du coup, on va tester mon bouton pour vitre. Maintenant qu'il est bien installé, branché. Ah ouais, c'est vrai qu'il était fatigué, j'ai oublié de dormir avant. Allez. Prêt à rouler. Oh, ça c'est nickel ça. Hop. Oh. Alors. Ça. Alors. Oh, regarde. Là. Au moins c'est bon. Voilà. Là. Et voilà. Et pourquoi là? Ça peut fonctionner il y a 2 secondes. C'est bon qui a du mal à régler, c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Ça peut être pour aller, parce que bon, depuis que j'ai pas fait de l'aide sur Twitch, il faut que je règle pas mal de choses. Donc on n'hésite pas bien sûr à partager. À partager à ce follow bien sûr. Hein. Hop là. Voilà. Recalcule. Oh, en plus on peut dormir juste à côté. C'est impeccable ça. Impeccable. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Alors pareil, comme j'avais annoncé sur YouTube, je vais l'annoncer ici, c'est que bientôt j'ai quitté pas mal de Discord. Donc je vais en garder pas beaucoup, hein. Rien que ceux avec qui je joue, ou les Discord des modos de la chaîne. Sinon, tous les autres, ce sera au revoir. Pareil, me proposez plus de participer à vos parties à beau, ou comme d'organiser quelque chose de spécial, plus la peine de m'inviter, je ne viendrai pas. Où je suis grave. Ah, c'est celle-là. Oh. Donc voilà. Je vais vous laisser entre avec vos kikous et ainsi de suite. Moi, je vais rester de mon côté. Donc, bien sûr, tous les kikous, si on se désabonne. Hein. Comme j'ai toujours dit, j'en ai rien à foutre. Et je m'en bats la race. C'est parti.
Comme je dis sur YouTube, mieux avoir très peu d'abos et des fidèles. Tournez à droite. Donc d'avoir beaucoup d'abos et que ce soit des kikou. De merde et que tu connaisses rien à la vie. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Et sinon. Allez tout droit. Non. Non. Bon. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. Si vous savez qu'on va m'emballer un couille. Je sais que ce sont les fidèles qui sont là pratiquement tout le temps au live, donc... Bon, où va être ce putain de... Voilà, normalement, il était dessus. Ah, bon, ben d'accord, c'est ici. Au milieu des nippers. Tromper de bouton. Ça m'arrive de temps en temps. Ah ouais, mais la chose. Ouais, c'est même pas mal. Hein. Petite lumière sur le côté. Alex, c'est parti d'aller pour 4400 km. Salut Yura, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien depuis hier, quoi, c'était hier que tu faisais. Donc on est parti pour 4500 km. Ah ben tranquille, tranquille, j'ai juste mis les choses au point en début de live. Comme quoi je vais quitter pas mal de Discord. Donc pareil pour les parties à bout, plus la peine qu'on me fasse appel à moi pour les parties à bout, je partirai à aucune partie à bout. Et je vais quitter tous les Discord des personnes que je n'aurai plus ou que je jouerai plus avec. Ah c'est quoi ça? Ça consiste en quoi? Vas-y, parce que je connais pas, sur le coup. J'ai bien entendu parler il y a 2 secondes sur un Discord. Mais je connais pas du tout. Réorientation. Donc ça va être intéressant de venir voir. Ah non, moi j'ai rien à faire normalement. Ce matin j'avais l'air de nous, enfin madame avait l'air de nous, donc anesthésiste pour l'opération du 30 donc. Allez,
Là, c'est que la meuf qui fait les inscriptions à la clinique, la tramarine, mais je vous ai déjà vu. Vous. Pardon, vous m'avez fait briller. Seule vision que je garderai, ben, c'est l'édition de mon bonjour, ce qui est logique. L'édition des personnes avec qui je joue, que ce soit Agita ou Affermi, il y en a même que je vais acheter avec lui, c'est Amdam. Après, tous les autres, ce que j'ai fait avec eux pour les parties à bout, ainsi de suite, que j'ai apprécié. Ben... La team sur Epic Games. Ah, mais maintenant, c'est cool, plus les communes, j'ai pas envie. Ah, faudra que j'aille voir ça. Ah non, pas de la merde. Et salut GamingX, j'espère que tu vas bien. Que vous avez passé un très bon week-end et que vous avez passé une bonne début de semaine. Avec les chaleurs, n'oubliez pas de vous hydrater. Ah, ben c'est que presque ça tournerait. Hein. On va éviter de boire ici. Alors moi cette chaleur me tue, donc je supporte plus la chaleur, là j'attends que madame, ici à moi, que ça aille mieux après son opération. Pour prendre rendez-vous docteur pour faire des examens, donc... À un moment donné, j'ai des petits coups de papier d'adaptation et à l'autre, j'ai l'impression que les poumons, en fait, quand j'en suis, ça tire dans les poumons, donc... on va attendre que madame aille beaucoup mieux. Alors pour ça va, la forme. On peut pas aller, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Sim Racing. Ah oui, pas mal. Sim Racing, là, tu dois avoir du bon matos. À mon avis, tu dois avoir un volant Fanatec, à mon avis. C'est une très bonne marque, mais bon, quand on voit le tarif, heureusement. Mais... Allez, mais je t'en fais pas. Donc on est pas là. Non, non, moi je veux que ça arrive du plaisir quand même. Là, j'arrive à le café. Ah, moi aussi j'ai un bacan sur mesure. C'est un côté de Renault, n'est-ce pas ça? Bien, vous avez le montage sur YouTube. J'ai même la ceinture en plus. Hein. Si je veux la mettre, je l'ai. Hein. Okay. Ah, c'est bon. Après, t'as mieux hein, si t'arrives à prendre. Ouais. Moi je connais pas là les volants direct drive. Allez, tout droit. Moi je suis content de mon logiciel que pour ce que je fais ça me suffit. Hein. Pour rien de. Moi je sais que si les finales vont bien, j'en commande un au mois d'août pour madame Fred. Et bon, parfois ça n'est pas les circuits. Hein. Moi je suis plus seul d'une Norvégine par exemple. Dans le Nürburgring, c'est le Nürburgring. Mais le vrai Nürburgring, celui qui fait plus de 20 km. Pour moi les autres c'est de la merde. Et le trottoir, ça peut être trottoir à côté. Mais après bon. Il est un peu pour tous les goûts. Hein. Ah.
mal. Après moi j'en fais un petit peu de voiture comme ça, mais sans le volant par contre j'arrive pas à le voir. Ben si je pense ça va être de l'entraînement mais bon. Quand je bats pas beaucoup de temps, ça me sert pas à grand chose. Là, je passe beaucoup plus. C'est grand bon tu vois. Sûr, je sais que s'il faut vraiment des jeux de voiture, souvent que ce soit YouTube ou sur Twitch, je pense que j'en ai du mal, mais bon, là je suis une baby, hein, qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi je pense que les survies, et moi ça à la manette, les jeux de voiture, les jeux rallye et tout, parce que j'ai pas assez de réflexes en fait pour faire le mouvement. Après tu vois que j'ai pas assez, j'en ai plus assez. C'est un camp, sérieux? Voilà, ouais, il gagne. C'est sérieux. Après, ouais, il est très très loin de voiture. Enfin, la série des Dark, par exemple, elle est... J'adore. Pourtant à l'époque des collines à creux, j'étais plus WRC. Mais depuis le Dirt 1, vu comment est partie la série WRC, le dernier qui a été le bien, c'est la version 2005. Le graphisme et tout, ça a été le meilleur. À mon goût. En 2005, c'était sur P2 à l'époque, mais voilà, bien pour rien. Après, il y a les Sébastien Love Experience. Il est bon. D'ailleurs, Ali est bon. Pas mal. Le jeu de rallye. Ah mais le groupe B c'est le groupe B, tout simplement. Et voilà. Rien que de toute façon les voitures d'aujourd'hui c'est de la merde. Quand les épaules à la fois comprennent que l'électrique c'est de la merde. Déjà quand tu vois que pour une batterie de voiture électrique qui ne sais pas combien de peines mécaniques et de camions il y en a pris là-bas pour sortir ce qu'il faut pour une batterie, c'est vachement écologique. Ma voiture essence c'est le plus écologique qu'une voiture électrique. Avec 27 euros j'ai payé en éthanol, donc elle équipe éthanol. Tout est recyclable dessus. Et bon. Donc là bon, moi la mienne consomme un point parce que le petit 1 litre 4 litres, donc j'ai tendance à vouloir m'amuser avec. Mais voilà. Pas 60 ici. Rio de Janeiro. Salsa. Bienvenue dans Brésil. C'est ça. On va dire ça surtout comme moi la mienne, j'aime pour une ça va sortir. Bon. La jeune bouille, on va dire j'ai même du dépôt. Bon, ah non, moi je suis pas prêt. Les bagnoles électriques, ils n'ont pas même pas arrivé. Et encore, les voitures sans d'aujourd'hui, c'est pareil, elles ont 3-4 qui a eu transporté ainsi de suite. Le bruit est fait électroniquement donc c'est même plus marrant quoi. Et moi quand je suis à 5000 tours voilà c'est le gros de la bagnole quoi.
Mais bon, c'est comme ça. Leur soi-disant progrès. Voiture, elle a peut-être 20 ans, mais comme comme là, j'ai la vidange à faire, ça va me coûter 40 euros. Et je suis tranquille. Allez, tout droit. C'est ça. J'ai de la chance de tomber sur cette occasion. Ah, mon ancien meilleur pote, voilà, il m'a appelé, il m'a dit écoute, tu cherches une voiture, ouais, t'es gaffe là, ça te sauve. Ça dépend de quel prix, il y avait le contrôle technique. Il m'a dit il y avait le contrôle technique, 600 euros. Ok. Et j'y tiens cette voiture parce que malheureusement, le pauvre il est décédé 6 mois après. Ben, ça a tout le monde, 40 dedans. Bon. Non mais quand tu fais ça un véhicule toi le virus, c'est comme tout le reste suivi, ça arrive, les trois quarts de suivi c'est pour jouer en vie, ça sert à rien. Déjà moi je dois prendre un 4x4, c'est un vrai 4x4, donc un vieux 4x4. Et pour vraiment les cartes du chemin de terre. Avec ça tu vas faire un chemin de terre avec ça, tu peux rappeler le garde-boue que tu perds. Donc la suivi, ça sert à rien. Moi la voiture la plus puissante que j'ai eu l'occasion d'essayer personnellement, c'était la Camaro. Mais oh, quel régal avec le moteur V8. Oh, j'ai pas tapé dedans parce que voilà. Et ouais, c'était encore en 2013, c'était bien avant que je passe de Paris. Moi j'ai entendu des voix, mais c'était une autre époque. J'ai eu l'occasion d'essayer ça, le patron mon frère Yann, l'époque. Il est arrivé avec ça sur un chantier, il fait wow, 80 ans. Et puis il n'y a pas un temps, c'est quoi? Il n'y a pas de mieux quoi. Et voilà. J'ai fait un petit tour, ça m'a suffi. Alors après les forges en salon, moi je préfère les vieilles, donc il y a des années 74, elles sont magnifiques quoi, les 911. Il y a bien venu 4 personnes, mais je ne trouve pas. À se follow, à partager, à venir discuter. Après pareil, dans ces grosses voitures, ça va être un truc, même si j'avais de l'argent. Non. Même mon rêve que j'ai personnellement, même si j'avais de l'argent, je l'achèterais pas. Une belle Ford Mustang, mais première génération, année 64. Même ça, je l'achèterais pas. Mais je sais pas si bon pour ces voitures là. Les voitures comme ça, elles vont repasser. Comme on a bien une voiture, elle bouge une à deux fois par semaine pour faire quoi? 60 bornes. C'est pas intéressant. Après j'ai eu des grosses voitures, j'ai eu des 407 à 22 litres, 136 chevaux, des Cross Rover moteur BM. Une BM 518i de 86. L'injection des provinces arbre aussi. Et après. Après, non, moi je suis. Voilà, mais à l'époque, ça me servait, je faisais avec 50 000 par an, des grosses voitures, voilà, pour le corps. Mais non, si j'arrive à 4 000 par an, je fais maximum, donc ça ne sert à rien. Et comme je fais pas de circuit, parce que ça ne me paraît pas. Après la plus belle voiture que j'ai eue, c'était une Captain Fragoletta. C'est ma première voiture à l'époque où j'étais en stage chez un paysage, il y avait une mise en fin de la grange, qu'est-ce que j'ai fait?
Oui, c'est ça, que la tête de c'est juste. Ouais, tu m'étonnes. À la fin de ton stage, je te barre avec. À la fin de mon stage, je me suis barré avec. Mais bon, c'était pas la même époque, j'avais 14 ans à l'époque. Donc j'en ai eu des gens. Et j'en ai ouais, eu qu'une. Enfin, tu es accroché une que... Bon, ça m'a tordu le... logement, donc mort la voiture. C'était une 405. Quand j'avais payé quoi, 500 euros à l'époque. Ah, t'as oublié, il y a le circuit d'Albi aussi. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le circuit d'Albi. Enfin, je sais parce que moi je suis pas loin, donc j'ai le collègue qui a dû partir à côté. Comme il y en a qui me disent voilà bon, les noms des circuits voilà et je dis mais tu vois voilà il y en a qui me disent ouais mais ma Tesla la 500 chevaux ouais, elle fait combien ah plus de 2 tonnes ah ouais voilà même la petite Saxo là bas la moitié électronique pour ajouter quelque chose avec la petite 500 chevaux à peu près ou à peine 840 kg pour être capable de rien 840 secondes donc bon le rapport pour puissance hein. Donc la maniabilité du coup était petite. Et bien venu 5 personnes dans les années. On est venu à vous. Il y aura 4180 km. Je sais pas, j'ai envie de tout ce qui a des gros véhicules, ainsi de suite. Là, 6 personnes par mètre, t'as le pont. Ah, la boîte artisanale, même si j'aurais moyen, j'ai jamais une voiture de. Faut pas acheter une voiture qui a 3-4 points. T'as pas tellement de valeur une voiture dans la 506 que. Ah, il y a des aïe. J'ai eu l'occasion de m'entraîner pendant que je faisais des essais pour certains rallyes sur une route privée que je connaissais par cœur parce que j'apprenais tous les jours. La parole s'éclate un peu. C'était un long garagiste à l'époque. Il faisait des rallyes ainsi de suite et des fois il bloque la route pour faire des essais en fait. Et t'as quel régal. C'est joli cette arrêt là, tout fait. Bon, maintenant c'est passé sur le Discord privé, mais on a un salon où il y a des voitures qui se voient parce qu'il y a un parking à voiture comme celui-là est touristique. Il y a des fois des belles des voitures qui se voient ainsi de suite. Du coup, madame, qu'elle adore ça, prendre des photos et tout. Pourquoi on peut prendre des photos avec le téléphone ou quoi que ce soit. On peut prendre des photos et aller sur le Discord. Oui.
petit bétain parce que. Après, voilà, ça reste de moi, c'est une certaine éthique, ainsi de suite. Après, il faut y aller. C'est bon, comme les supercars, hypercars, c'est pas mon truc. Je suis plus fan, tu vois, d'une Rossi 95 qui va faire du rallye plutôt que d'une. Super ou hyper tard pour faire la course sur circuit quoi. Après j'avoue que les pilotes ils ont quand même quand le chapeau pour avoir l'endurance, même s'il y a des relais quand même, pour 24 heures. Hein. Bon, même les supporters sur la route pour la 90 ça. Voilà, c'est comme une Tesla de 500 jours pour la 90 voire 130 sur l'autoroute. Je ne vois pas l'intérêt personnellement. C'est comme ceux qui prennent des voitures en chrome, ainsi de suite. Je trouve ça moche. C'est plus, à mon avis, pour faire du tape à l'œil qu'autre chose. Alors que tu es une guerre comme le fond là, c'est ouais. En fait, c'est comme à l'époque, moi j'étais encore à l'époque, à l'école à cette époque là, quand la Bugatti Veyron est sortie, waouh, j'aimerais trop la voir et tout. Ouais. C'est pas mon truc. Oh ouais, que faut qu'il y ait technologie et tout. Voilà, les ingénieurs derrière et tout, donc leur taf. Hein. De la Bugatti Veyron, Chiron, tout, ça n'aime pas ça. Et je suis pas fan de ces voitures. Il n'y a pas de souci, c'est un bon petit café. Hein. Moi je suis à la porte, fait trop chaud pour le café. En fait, c'est magnifique le hardware pour quand même, là, sur le coup dans le jeu. On va dire là. Ah, même ça. Ah, tu as pas envie de me dire que je crois que je vais prendre un peu de putain de mouton. Bon, en fait, c'est bon.
plein quand même le Volvo. Hein. Bon, mais c'est mort. Bon, non, c'est bon parce que faut ouvrir avec ça. Bon, j'ai oublié de voir avec le. Ah, t'as vu, c'est pas grave. Mais comme pour une fois, le rouleur peut pas entrer aussi. Alors il est 9h30, il était nuit. Il n'y a pas un petit souci là? Ah oui, c'est à l'heure de l'Europe, c'est normal. Donc ça doit être côté de la planète. Campinas, Anti. Ouais. N'hésite pas à aller voir la chaîne YouTube, Monsieur Fred et Madame Fred. Après, le logo c'est des chats. Pourquoi changer? Donc c'est la minute, le nom de famille, si je veux pas changer.
Ah, tu veux passer plus loin, pourquoi? Pourquoi? Comme là-haut. Pas au point, pas plus d'article. Et voilà, par un ennemi. Ah, y a pas de soucis, je vais m'arrêter pour le baisser. Ok. Ah. Hop là. Voilà. Ça sera peut-être un petit peu mieux. Là normalement ça doit être un petit peu mieux. Il est pas mal ce petit Volvo là que j'ai trouvé là. Bon, le truc que je retrouve dommage c'est ces grands rétros là. Dommage. Un peu bon. Oh putain, c'était celui-là. A été juste, hein. C'est ça, j'ai serré les fesses, c'est parti. Je me sens seul d'un coup là. Tenez la droite, puis sortez à droite. Oh, ça se court. Ah, qui.
Après, un truc que je déconseille d'acheter, c'est le panel farming. Une vraie merde. Et le joystick, c'est une vraie daube. Et ça c'est une sympathie. Après je peux comprendre hein, sur un camion t'imagines s'il faut tout en ferraille. Je paye pas le poids du camion. Après non monsieur. Oh un péage. À côté ou dedans? Ah, dedans, bien sûr. Et il va commencer à pleuvoir, sérieux? Ah ouais. S'il fout le tracteur sur l'autoroute dans le jeu. C'est une blague. Le pillage. C'est ça. Bon là je crois que j'ai à peu près 130 mois d'à peu près sur la partie. Donc c'est plus de quand même. Oh. Je crois que j'ai passé un pays, non? C'est quoi que je transporte déjà? Ah oui, des radiateurs, 9 tonnes de radiateurs. Il va pas que je me repose aussi. Bon, mais on va s'arrêter à l'heure prochaine. Ah ben, de toute façon, le DLC Russia, il sortira pas. Pour l'instant, il est suspendu, donc... à la place, il va sortir les îles Baltiques. Donc, mais le DLC Australia, mais c'était sûr. Il n'allait pas le sortir. Donc, à la place, tu auras la mer Baltique, si j'ai bien compris. Un peu comme ça. Bon. Allez hop. Laissez passer, je suis impressé. On pourrait être obligé de faire la résumé pendant un bon bout de temps à mon avis. Bah au moins la carte est tellement grande que... Yeah.
la carte est tellement grande qu'avant que j'ai fait le tour. Hop là. Encore là-bas. Donc avant que j'ai fait le tour et plus de haut donc ah ben c'est un combo de cartes donc que je vais repérer vu que là maintenant la middle est sortie pour la promote donc merde trompé de bouton. Ça arrive. Non, non, même pas, je me suis j'ai coupé le moteur donc. Ok, coupe le moteur avec le bouton. C'est ça. Et que moi j'ai le bouton pour le contact et un bouton pour démarrer. Et le contact, bien sûr, si tu le coupes. Qu'est-ce que peut-être. Et bon, bientôt vous aurez une autre vidéo pour le panel. Et dans la semaine ou la semaine prochaine, je vais recevoir un truc de plus pour le lever de vitesse. Donc, moi j'ai commandé il y a à peu près 3 semaines. Donc, moi je commande en Chine parce que bon, ben, ça coûte moins cher tout simplement. Hein. Finalement, quand je peux avoir un truc à 3 euros, qu'en France c'était à 20 euros. Ah, il y avait un point d'intérêt ici. Ah, bon, il repasse pas. Oh. 1000 euros. Et ça. C'est pour ça. Quand je vois mon panel, quasiment 90% viennent c'est des trucs venus de que ce soit de Joom, Wish, AliExpress. C'est tout. Après il y a par exemple j'ai une paire de pompes, ça fait pas loin d'un an et demi maintenant. Je les ai commandé, ça va faire un an et demi que je les ai commandés sur ben, c'était pareil sur Joom. Je les ai payés 11 euros. Ben, elles sont toujours aussi nickel. Donc ah oui, après c'est pas de la marque, et si tu mais comment je m'entends pas de la marque, ça tombe bien. Après j'avoue qu'il y a des trucs, je commanderai pas dessus. Par exemple, tout ce qui est volant et tout, je commanderai pas dessus. Pas sur rien. Là déjà j'attends les soldes là qui commencent demain pour avoir le prix des écrans d'ordi. Je vais changer celui que j'ai en face, là, que je me sers pour jouer, pour le mettre à madame. Tu vois, pour l'instant madame elle joue sur le 107, donc c'est pas pareil sur une télé, 107 cm c'est... Et à la marque, il n'y a pas de marque. Mais pourtant, je m'en sers. Hein, donc, après, moi, je n'achète jamais de marque, même. Voilà. Et, Gucci vélo à toi, il prend des photos mais il est taré hein. C'est pour ça même le câble internet que j'ai qui va à mon PC là, c'est un truc de là bas qui m'a coûté quoi, ouais. À 4 euros le câble, j'ai pratiquement 1 giga sur le PC donc je suis à 900 des brouettes. Donc, vraiment... Après si tout ce qui est écran d'ordi, volant, ça je commande sur sur Cdiscount tout simplement. Parce qu'en ma zone j'ai pas forcément confiance, je me suis fait niquer 2-3 fois que j'ai rien reçu donc ça va les appeler, ah mais nous c'est marqué reçu donc Cdiscount jamais de problème. Et il y en a que c'est le contrat donc bon après
Et... Ben, c'est ça. C'est moi, ça m'intéresse pas, par exemple, de mettre 30, 50, 100, 200 euros dans une paire de pommes. Au final, ça fait pareil. Hein. J'ai du midi, j'ai mis 10 euros, regarde, ça fait un an et demi que je les ai. Toujours aussi nickel, donc bon. Ouais, pareil, pour les pommes, j'ai de la chance à côté de moi d'avoir un genre. Genre de vide-grenier, trifouille, ainsi de suite. En fait, ils vident les maisons, ainsi de suite. Après, bon, ils revendent, ainsi de suite. Donc, c'est un avantage aussi. L'autre fois, je me suis pris une paire de pommes parce que bon. Vu que c'est un sac poubelle de, je crois que c'était un 30 litres pour 6 euros. Donc le temps que tu remplis ça, c'est avantage. J'avais mis mes chapeaux, j'avais mis des pompes, un manteau en cuir dans le sac. Là pour 6 euros quoi. Et les pompes, ouais, c'est des Rainbow que je crois cette fois-ci, c'est la marque, mais bon. Voilà. Après non, moi les trois quarts des trucs... À part les clés que je me suis commandé en France parce que j'ai voulu commander sur un site chinois, je les ai reçus. Mais quand tu vois les trucs que c'est, tu fais non, je vais faire 30 clés, le truc qui va me rester dans la main. Donc voilà, sur les sites chinois, il faut bien faire attention à la taille qu'ils mettent. Tout simplement. Après c'est comme là, j'ai mon levier de vitesse qui avait déjà un truc pour allonger. Faut que j'en achète un deuxième pour qu'il arrive à la bonne hauteur quoi. Le problème c'est que l'année dernière, celui-là j'avais commandé sur CD Scout, il était à 11 euros. Là j'ai été voir comment il valait, il est à 22 euros. Site chinois. Et il est à 11 euros sur le site chinois. Il va dire mais pourquoi à un an ça a doublé le prix. Alors que c'est pas un truc que j'en commande tous les jours, une rallonge de levier de vitesse. Mais bon. C'est ça. C'est ça. Bon, les trucs de marque que j'ai, soit on me les a donnés ou je les ai récupérés, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça, il me dit que c'est ukrainien. Ah, mais c'est comme lui, là. Sérieux, il y a 6 mois de ça, on l'a payé 1 euro et quelques le litre d'huile. En cuisinier, je parle. Là, tout à l'heure, j'étais au magasin, ils en avaient rentré. L'autre. Pratiquement 4 euros le litre, tu fais, mais de ce côté là je suis bien content de cuisiner au beurre hein. Et encore j'ai un nez, je crois que j'ai 6 ou 7 litres encore d'huile à peu près, entre le gros bidon de 7 litres d'huile de friture et tout, mais oh. Donc, au bout d'un moment faut pas abuser non plus. Surtout que l'huile, c'est pas les stocks de cette année, donc il faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule aussi. Après, c'est les gens aussi qui créent la pénurie. Ouais, pendant le premier confinement, sérieux, le papier cul et les pâtes et le riz, sérieux, mais avec tout le riz que vous bouffez avant que vous allez chier, vous pouvez laisser le papier cul au magasin. Hein. C'est stupide. Mais bon. Ah, mais moi, je pense que je passe. Ouais. Si je passe 1 litre par an, et voilà à peu près le maximum que je passe. Donc, j'en ai. Voilà. Et voilà, c'est. Tu vois, j'ai mon petit cousin qui vient de temps en temps. Voilà, je sais nous qu'on y va. Il vient, et à chaque fois, il me ramène des trucs. J'ai dit, mais c'est pas la peine que tu me ramènes des trucs, mec. Bon, il a 76 ans, mais voilà, tu sais. Bon, on l'appelle 3 fois par semaine pour prendre des nouvelles et tout, ce qui est normal. Pour nous, bien sûr. Ouais, c'est la seule personne à qui je parle de la famille, hein. De ma famille, oui, parce que les autres, c'est des gros coins, ils peuvent crever que je m'en tamponne. À chaque fois qu'il vient, il ramène quelque chose, je dis, mais c'est pas la peine, tu peux venir avec même vide, quoi. Mais non, voilà. C'est comme là, je me demande s'il me prépare pas un truc, parce qu'on l'appelait, c'était vendredi. On avait qu'il avait appelé sur le fixe. On l'appelle. Ouais, vous avez vu, vous avez des friteuses sans huile là, en promo ainsi de suite. Ouais.
Ben bon, de l'huile on en a, et des frites, ça qu'on a fait, vu qu'on peut pas manger crack, que ce soit moi ou madame. À cause de nos problèmes de santé. Mais je suis sûr que la prochaine fois qu'il va venir. Voilà. Comme une fois, il nous demande, vous avez un batteur, vous avez. C'était quoi l'autre pareil aussi? Non, mais bon, nous, on ne sait pas. Un mois après, il revient, je t'ai apporté des cadeaux. Mais pourquoi? Voilà. C'est à chaque fois que je dis, viennent les mêmes vides. C'est comme mon pote Dolby, c'est pareil. C'est une fois par mois, j'y vais, ouais, t'as besoin de rien, t'es sûr et tout. Mais non, mais c'est bon. Il fait, mais t'es dans la même merde que moi, sérieux. Et tu sais. Ouais, pas mal la première voiture, je sais pas ce que c'est. Là, il s'arrête vraiment au panneau, mais c'est au truc qu'il faut s'arrêter. Oh, un poulet. Après moi il me reste rien que un de mes deux meilleurs potes, malheureusement vu que le premier est décédé à moi décembre, en plus j'étais encore en arrière quand j'ai appris ça. Ils m'ont pas pu assister à son enterrement et tout, donc voilà mon meilleur pote qui me reste, voilà. Une fois par mois j'y vais, par le mois prochain vu que madame se veut opérer, ce que c'est. Bon il m'a dit je verrai si je peux mettre du gazoil, je me déplacerai. Mais il n'y a pas de soucis, de toute façon la maison est ouverte. Après une fois par mois j'essaie d'y aller parce que c'est pareil, il atteint. Voilà, il atteint bientôt les 60 ans, il n'est pas tout jeune non plus quoi. Mais bon la vie est tellement courte. Là, je vois la mienne au mois de novembre, décembre, là, quand elle a failli s'arrêter. Que j'étais pas loin de la prochaine, ça fait réfléchir. Et la vie est très courte et pourtant j'ai que 33 ans. Hein. Et putain. Donc. C'est pour ça maintenant je profite au maximum de la vie. Voilà. Comme j'ai dit madame, du moment que je me réveille que je suis en vie, c'est le principal. Bon, toi coucher le camion. C'est ça. Ah c'est pour ça, nous au mois d'avril on a décidé de commander le PC à madame Fred, du coup elle a son PC ainsi de suite. Elle m'a dit ouais mais après si on y arrive pas, mais si on y arrivera. Voilà c'est tout. Voilà on s'est pris un petit peu plus sur autre chose. Hein. Mais au moins, voilà, là on le paye en 4 fois. C'est tout. Au bout d'un moment l'argent on l'apporte pas dans sa tombe. Bon toi tu m'énerves. C'est bon, hein. Qu'on soit riche ou pauvre, on finisse tous au même endroit, donc. Et comme je dis, quand j'ai eu mon meilleur pote, 42 ans, quoi. Il n'a jamais fumé, jamais bu de sa vie, il meurt d'un cancer des poumons, donc. Alors que moi qui ai fumé pendant plus de 20 ans. Donc, bon, maintenant j'ai arrêté, mais ça fait plus ou moins de novembre, du coup, que j'ai arrêté. Mais, là, des fois, ça manque, hein. Surtout quand je suis à bagnole, c'est au moment le plus, quand je vois la connerie des gens qui roulent. Après voilà, moi je travaille pas pour l'instant. Là je vois ce qu'il me dit, mon médecin, que je vais avoir rendez-vous avec lui. Bon j'attends que madame, voilà. C'est l'opération, qu'elle soit bien rétablie, on va prendre moi rendez-vous. Mais là... Si je suis vraiment apte à travailler ou si j'ai encore quelques années de santé, mais après pour l'instant de toute façon je touche rien, donc on peut pas dire que je touche de l'argent d'état, je touche rien, zéro. Donc et après si on me propose pour l'emploi, on me propose des formations. Et c'est bien. Est-ce qu'elles sont rémunérées? Non. Et tu crois vraiment que je vais gaspiller l'essence que j'ai pour venir dans tes formations non rémunérées? Ben non. Là je me plains dans ma voiture, je fais le mois hein. Et si je dois y aller tous les jours, ouais je vais y passer 100-150 euros pour faire le plein quoi. Donc au bout d'un moment si ça me rapporte rien.
frappé. Tiens, une Porsche. Bon, tu la laisses ta poubelle. Après, bon, j'ai eu une époque où j'ai eu bossé avec des très bons salaires. Hein. J'ai fait un travail où c'était peinard, je m'éclatais et tout, et je faisais du 2000 euros par mois. Hein. Bon, par contre, je bossais du lundi matin au samedi après-midi, le soir. Donc, ouais, je me faisais du 2000 euros par mois, mais bon. Et à l'époque, je touchais 2000 euros, bon, mais c'était des contrats de remplacement, et ainsi de suite. J'ai posé pendant plus de 6 mois comme ça, en faisant 2000 euros. Ils avaient eu tort de me dire que j'étais payé à l'heure, donc. Mais je me suis retrouvé au chômage, 900 euros. Où est passé le reste? Donc, ouais, c'est pendant 6 mois, plus de 2000 euros, puis là, tu te retrouves à 900 euros. Ok. Moi, je vais voir comment nous on touche à peu près avec l'allocation de logement, on touche 1100 et des brouettes. Avec ça, tu déduis le loyer. Ça va qu'il n'est pas trop excessif, mais bon, pour ce que c'est, heureusement que t'es pas plus excessif. Hein. Lui, tout, il reste pas exceptionnellement gros à la fin. Mais là, on arrive quand même. Voilà. C'est sûr, on va pas se faire des restos tous les jours, on va pas se faire un ciné tous les jours. Mais, voilà. On a d'autres plaisirs. C'est pour ça, par exemple, au mois de novembre-décembre, quand Madame Fred n'a pas le permis, quand moi j'étais à l'hôpital, qu'elle devait venir me voir et tout, elle prenait le taxi c'est 80 euros, l'aller-retour. Et voilà, comme il y en a qui me disent, ouais, mais tu fais ça avec l'annonce sur certaines Discord, ouais, tu fais ça pour l'argent. Putain, si j'aurais dû attendre pour bouffer avec l'argent que j'ai touché à un an et trois mois maintenant que la chaîne existe, et je ça prend le temps que j'aurais trouvé de faim. Exactement, j'ai touché, c'est un don, ils ont servi excusez-moi la chaîne, 60 euros. Donc, tu vois, on avait déjà eu un don au mois de septembre, par là, c'était de 30 euros. Même au mois de novembre, décembre, quand on était vraiment dans la merde, quand on prenait le taxi, 80 euros, ben, ça part vite du coup. Hein. Il faut qu'elle mange ainsi de suite. Donc, on s'en est pas servi. Les premiers 30 euros, on s'en est servi pour la commande du PC à Madame Fred. Pour servir ben, pour la chaîne du coup. Hein. Donc, les gens qui me disent je fais ça pour l'argent, non. Parce que l'argent que. J'ai toujours dit, l'argent qu'on me donne, c'est pour la chaîne. Pas plus, pas moins, c'est pas pour le privé, pas pour payer mes factures. Donc là, j'ai eu un autre don de 30 euros et ça va servir pour le lecteur graveur externe à Madame Fred. Tout simplement. Et après, on est pas malheureux dans notre vie au contraire. Hein. Ah, hop là. Ah ben, ça va, chérie. Ah, ça va. Ça va, mon cœur, bien joué. Pas trop chaud. Oui. Twitch. Je suis en train de discuter avec les mix. Non, sur le chat. T'as le bonjour de Madame Fred. Gaming. Allez, il te la renvoie. Voilà, elle a été jouée aux cartes parce qu'elle fait partie d'un club là qui joue aux cartes tous les mardis après-midi, donc elle a dû changer d'idée et tout.
Ah mince, c'est pas nous. C'est ça. Ah mais après elle aime bien les jeux vidéo, ainsi de suite. D'ailleurs, un de ces quatre, vous en aurez un live sur un jeu. Enfin, je sais pas. Je pense que ça sera surtout sur YouTube, je pense, que ce live là. Et vous risquez d'être surpris. Et c'est surtout qu'aux cartes là elle joue avec deux voisines et la mamie qui habite en dessous. Donc mais la mamie là en dessous la forme avec 88 peignes, téléphone portable, internet, la télé par internet et tout. Et puis ouais, j'aimerais bien avoir tant la forme à son âge. Bon je sais que j'aurais pas mais bon. Ouais, c'est pas... ouais, c'est parmi de rêver quoi. Donc c'est impressionnant. Hein. Et gentil comme tout. Moi les trams, les trains, ainsi de suite, c'est pas trop mon truc. Autant les bagnoles, ben, les vieilles bagnoles, bien sûr. Hein. Voilà, les vraies voitures, ce que j'appelle. Mais après les camions, bien sûr. Hein. Les vieux, hein, toujours pareil. Hein. Et les avions, pour moi, le plus bel avion qui a été fait, ça reste le Concorde. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais le Concorde. Bon, moi j'ai le mal de l'air, le mal de mer, donc déjà, mais, et voilà. Le Concorde, il est magnifique, cette avion. Enfin, il était, du coup, il est plus en service, mais... C'est ça, avec son nez et tout, là. Et voilà, c'était à une autre époque, quoi. C'est comme les voitures, de toute façon. Tu vois ce qu'ils faisaient dans les années 80, 90, début 2000... Et encore que les 2000, voilà. Comparé à aujourd'hui, tu vois que les mecs, quand même, ils réfléchissaient, quoi. Et voilà, et les voitures avaient de la gueule, maintenant elles se ressemblent toutes. C'est ça qui est triste. Hein. Là, tu prends Boeing ou Airbus, tu prends leur avion, tu enlèves la marque. Il n'y a pas grand chose qui les différencie du coup. Ah mais moi le climat je m'en bats les couilles franchement. Voilà. Un truc déjà quand tu vois qu'ils vont dépendre le climat à coup de jet privé en partant là. Tout le monde faut arrêter de prendre les gens pour des cons quoi. Voilà. Qui commencent eux par donner l'exemple. Quand un pays qui donne vachement l'exemple, je trouve, à mon goût, c'est la Suède. Les mecs, mais les ministres, c'est ça, quand ils veulent voyager, mais ils prennent un billet, voyager dans un avion normal. Quand ils surpassent, ils payent la location de la voiture. Pareil chez eux, ils payent le loyer de leur maison, ainsi de suite. C'est ils donnent l'exemple. Ah mais les courses auto, mais quand tu vois que maman WRC de plus en plus c'est l'hybride arrive. Donc c'est entre ça, entre les mecs dans les campagnes qui gueulent. Ouais ça fait trop de bruit. Comme les parisiens qui gueulent après les coques, c'est exactement pareil. Les mecs chez toi t'as du bruit toute la nuit, tu dis rien, tu dors. T'as un coq, ça y est, c'est un drame. Il a failli me cartonner ce compte de bus, il m'a pas eu quoi. Après à l'époque c'était Seat Grand Tourisme qui a mis
que ça avait été les premiers à mettre un véhicule diesel dans une course. En plus, ça fonctionnait bien. Hein. Oh ben c'est ça de toute façon. Ah après comme je dis moi l'éthanol franchement il y en a qui s'en plaignent. Moi non. Que ce soit cet hiver ainsi de suite au mois de novembre quand je rentre à l'hôpital, ma femme a pris une amie pour rapatrier la voiture chez nous quoi. Pendant plus de 2 mois elle n'a pas bougé. Le jour où je me suis assis dedans, hop, j'ai tourné la clé, j'ai attendu que franchement même si c'est un essence, voilà que les témoins s'éteignent ainsi de suite, j'ai tourné la clé, elle a démarré de suite. Alors les mecs qui disent ouais mais l'éthanol l'hiver non, ça dépend si vous savez conduire votre bagnole ou pas. Au bout d'un moment si tu rentres dans ta bagnole que tu tournes dessus la clé, oui c'est sûr que ça pas, le moteur il a même pas le temps de le calculateur il a même pas le temps de réfléchir. Ah mais c'est les voitures ça des protos non. Mais ceux qui courent dans les 24 heures du matin, c'est du sud dans des courses. Là. Mais. Mais pareil, maintenant, dans les courses, c'est trop assisté, c'est fini maintenant. Et voilà, il y a trop d'assistance. Comme ça les années 40. Non mais pareil quand tu vois les gros diesel à l'américaine là qui fument bien l'aura c'est ça et ça moi je me rappelle j'ai passé mon permis bon, il y a pas si longtemps que ça il y a 7 ans ouais, c'est pas vieux que j'ai mon permis ouais, ça fait plus de 20 ans que je conduis mais bon c'est une autre histoire mais j'ai passé mon permis moi sur une DS3 et ça t'indique quand passer le rapport. Après j'étais en train de gagner comme ça la monnaie ça m'a dit mais tu vois pas le petit chip qui s'affiche ou ça c'est le tableau de bord. Ah ouais c'est quoi? Ben c'est le rapport que tu dois enclencher. Ah ok. Si ah mais moi j'ai pas ça sur la mienne. Moi j'ai pas besoin de ça. Hein. Mais non non trop assisté et c'est le problème des jeunes qui passent le permis hein. Moi j'ai toujours eu des voitures paraissantes donc c'est l'avantage mais ceux qui sortent qui passent leur permis à l'auto-école maintenant qui ont des mini et ainsi de suite c'est rare que tu peux t'acheter une voiture à 20 000 € à ta sortie hein, dès que tu as le permis les jeunes ne sont pas rien qu'en assurance hein. Donc ah bah après moi se promener au bout de 3 heures me dit putain il reste encore 17 heures à faire là, je sais bien que bon elle me dit c'est la première fois que je vois ça quelqu'un qui arrive au code à la conduite et le jour des examens avec sa propre voiture mais c'était une autre époque je conseille à personne de le faire aujourd'hui et bon au bout d'un moment dans la voiture tu t'emmerdes bah, elle me disait souvent le jour de l'examen tu mets les 2 mains sur le volant et tu ne coupes pas les virages. Ok. Gara puis avoir et ben non mais ça c'est comme les gens qui disent qui sont les motards qui sont contre leur contrôle technique. Au bout d'un moment il y a les motards et motards. Il y a le vrai motard qui entretient vraiment sa machine et il y a des autres qui n'entretiennent pas leur machine. Donc
Après, moi, je suis pour. Pourquoi il y aura un contrôle technique pour les voitures et pas pour les motos? Après, pareil, moi, je dis que pour conduire, que ce soit une voiture sans permis ou leur Citroën ami ou je sais pas quoi, là, que c'est moche comme je sais pas quoi, mais il faudrait au moins passer 3 heures de code. Que bon, le problème, c'est que quand tu vois les gens conduire ça, ils savent pas conduire, ils savent rien faire. Après, c'était pas la même époque que je passe gaming. Et voilà. C'est à l'époque que tu pouvais plus te permettre deux choses, tu vois. Et au moins, le jour où j'ai passé le permis, ce qui m'a fait un petit peu marrer quand même. Moi, bon, j'ai tout eu du premier coup. Quoi de permis, j'ai tout eu du premier coup. Enfin, j'étais en train de conduire, de parler 20 minutes là, à la con. Là, dans la voiture, t'avais ma monitrice avec l'inspectrice qui était en train de s'inviter à bouffer. Ah non, 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 c'est pas la voiture la plus dégueu, elle arrive en deuxième position. La première, ça reste quand même le multiplat. Le multiplat, non, ça reste vraiment. Mais c'est même pas une voiture, tu peux conduire ça à partir de 14 ans, quoi. Mais au bout d'un moment, pour arrêter, quoi. Ouais, je les suis aussi, je te rassure. L'équipe de Vibroquin, hein, mais ils sont tarés. Mais j'aimerais trop être à leur place. C'est comme l'équipe Top Gear, hein. Qu'est-ce que j'aimerais être à leur place? C'est le délire qu'ils font, ainsi de suite. Après, voilà encore une émission qui est très bien. Pourquoi? Parce qu'on l'a piqué au State. Enfin, non, aux Anglais. Aux Anglais, celle-là. Tout le monde l'a repris dans le monde. Mais bon, maintenant, la version anglaise, c'est devenu de la merde. N'en qu'il n'y a plus l'équipe de choc. Que bon, certes, il y avait Matt Leblanc. Il y avait, dans la première saison. C'est le seul qui est intéressant, quoi, dans la première saison, quand il y avait les autres. Ah, ça. Et, de toute façon, t'écoutes la télé de merde, là, que bon, moi j'ai toute la tête quasiment, il n'y a pas pour regarder un film quand je vous lis. Donc, minuit là. C'est. Ah, mais faudrait mettre le droit de vote plus tôt. À 15-16 ans. Mais dans ces cas-là, mettez le permis au même âge. Comme le permis de chasse, tu peux l'avoir à 28 ans, pourquoi pas les autres permis? Tant qu'à faire, autant faire comme aux États-Unis, permis à 16 ans, et t'as pas le droit de boire à 21 ans. C'est ça, la bonne vieille époque, évitez. Bon, quand les filles t'arrêtaient, t'avais le temps de discuter, et ainsi de suite. Bon, je me rappelle à l'époque où j'étais minot. Minot. J'avais quoi, 14-15 ans? Ouais, c'est jeune, mais bon, on regarde le permis de chasse. Je peux le donner à des gosses, donc à partir de là. Donc, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Un permis de chasse ou un permis voiture? Donc, bon. Moi, je vois à l'époque où j'avais 15-16 ans, ouais, je me prenais pas mal la nuit, ainsi de suite. Non, un petit peu plus tard quand même. 18 ans. 17-18 ans. Alors, dans la grande ville où j'habitais. Enfin, pour vous, ce sera un village, pour ceux qui habitent au moins dans des grandes métropoles. Mais. Première nuit, des filles m'ont contrôlé. Deuxième nuit, des filles m'ont contrôlé. Après, ils m'ont contrôlé. Puis on discutait, ainsi de suite. Et voilà, on avait un respect de l'uniforme, ainsi de suite, quoi. Mais c'est ça. C'est. Non, mais il faudrait faire comme aux États-Unis. D'un côté, tu vois, leur système, il est pas mal non plus. T'as pas le droit de. T'as le permis à 16 ans, mais t'as pas le droit de boire avant 21 ans. Si tu te fais choper avant. Voilà. Mais c'est comme ceux qui se plaignent. Ouais, j'ai perdu mon permis. Pourquoi? Ah, pour la vitesse. Ah, pour l'alcool. Ah, pour le téléphone. Bon, au bout d'un moment, vous êtes prévenu. Vous savez très bien. De verre, on est bon. Vivez pas. Voilà, vous dormez sur place. C'est à une autre époque, tu pouvais te le permettre, ça.
Non, non, quoi. C'est comme les mecs qui fument et qui passent leur mango par la fenêtre. Hein. Un plateau de paille qui passe et pouf, le plateau de paille, au revoir. Moi j'ai fumé pendant plus de 20 ans, mais jamais un mégot par terre. Je faisais moi tomber ma cendre par terre, quand j'étais à pied par exemple. Donc j'écrasais ma cendre, mais le mégot jamais. Putain, mais il commence à me casser les couilles du devant. Ah bah c'est ça. Hein. Ah bah après au state ou par contre la loi ne, ne rigole pas. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et... Tu t'arrêtes pas à la première sommation, deux minutes après t'as 15 bagnoles de flics derrière toi. Donc mais après nous à notre époque on avait encore du respect pour l'uniforme, maintenant les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de respect pour l'uniforme. C'est voilà que ce soit pomme qui est puis quasi de suite, il est caillasse donc. Il est caillasse, il leur crache à la gueule donc. Moi non. J'ai eu fait des conneries. Hein. C'est pour m'en cacher parce que bon, je vois pas l'intérêt de conduire sans permis, ainsi de suite. A chaque fois que je vous ai vu dans mon rétro me faire signe de m'arrêter ou qu'ils étaient devant en train de me faire signe de m'arrêter, mais ben je m'arrêtais quoi. C'est voilà, je savais ce que je risquais. C'est voilà. Voilà, une question de respect. Bon, quand je vois les jeunes comment ils parlent à leurs parents, moi j'aurais parlé une fois comme ça à mon vieux, moi ça aurait pas une tarte que j'aurais compris de suite. Bon. Maintenant on a fait des enfants en roi, donc on peut plus rien faire. La fessée est interdite, putain, mais une bonne fessée ça a jamais fait de mal, ça remettait les idées en place. Bon, la drogue il y en a tout le temps eu, c'est pas ça le souci en fait. Et voilà, mais moi je que honnêtement il y a une autre époque où j'ai eu fumé voilà, plus que de raison. Hein. Mais c'était une autre époque. Et voilà, mais c'est comme boire, il faut boire ou que tu bois ou fumer, parce que bon, même si c'est illégal de fumer, il faut faire ça avec les bonnes personnes. Donc, après bon, je conseille pas ça. Hein. Mais bon. Question de drogue, j'en ai essayé pas mal. Mais on me paye pas, on aurait pu pour se reposer, c'est une déconne ça. Ah ouais, c'était une autre époque. Quoi. Ah. Ah ça. Ouais moi non parce que j'étais pas proche de mon vieux hein, personnellement. Premier truc que j'ai fait quand j'ai appris qu'il était décédé, j'ai ouvert une bière, donc bon. Partant de là, tu comprends le système. Donc, ma mère aux dernières nouvelles était encore en vie, mais voilà, j'avais quand même le respect quoi. Et voilà, il faisait sa petite vie, je faisais la petite mienne, ça me faisait pas chier. Mais jamais quand j'ai été minot, j'ai eu répondu quoi que ce soit. Oh non. Ah mais c'est ça, t'as vu mon règlement, hein, pas de voyage, pas de you ni rien quoi. J'ai pas ton pote d'école quoi, c'est... Dis ça ton pote d'école, oui, tu peux te permettre. Mais... Voilà, tu viens voir un streamer, tu dis bonjour, bonsoir, coucou, salut, mais
Comme j'en carré, moi j'en ai eu un hier soir sur YouTube détaillé. Salut, tu peux jouer à PS22? Ben non. Je suis sur la PS19, je suis très bien. Pas trop un autre, l'autre fois c'était sur pareil sur la PS19, j'étais sur notre carte. Bah tiens, bah, pourquoi tu joues pas à PS22? Et eh bien écoute, le jour où PS22 proposera autant de fonctionnalités que cette map, ben, j'irai. C'est moi, les viewers, je leur demande pas ce qu'ils veulent comme jeu. Je fais les jeux qui me plaisent moi à ce moment-là. Comme hier sur YouTube, je dis bah, peut-être que tu seras un live ATS ou TS, j'en sais rien quoi. Pas sûr que ça allait pas être du farming, hein. J'en ai un petit peu trop fait là. C'est ça. Mais après. Après, moi j'ai un avantage à comparer à d'autres youtubeurs, c'est que dès le début je me suis pas cantonné à un jeu en fait. C'est tous ceux qui se sont cantonnés à faire un jeu pendant X années. Et le jour où ils changent de jeu, ouais, là, aux youtubeurs ça fait bizarre. Et... c'est là où tu t'aperçois des viewers, ils sont là pour toi ou pour le jeu que tu proposes. Comme je dis, j'ai proposé du K, j'ai proposé ETS, ATS, The Hunter, Farming, et j'en passe. Et j'en proposerai bien d'autres aussi. Hein. Et, voilà, comme je dis, moi je veux que les gens ils viennent voir mes chaînes, c'est pour moi, pas pour les jeux que je propose. Même si je sais que ça attire. Hein. Faut pas se leurrer non plus, mais. Alors moi c'est pareil, c'est. Voilà. Comme je dis, que ce soit les jeux de rallye, les jeux. Camion, là, j'ai essayé la démo d'Alaskan Truck. Pas mal, mais il me tarde qu'il me mette à français quand même. Moi et l'anglais, ça fait deux. J'ai jamais appris l'anglais, donc. Mais. Voilà. C'est surtout le jeu de simulation. Jeu de simulation et après je fais du GTA RP, je précise. Alors j'ai essayé ces dernières semaines, là, j'ai essayé des serveurs soit des ARP comme je le citais, grand RP. Alors c'est le serveur, n'y allez pas tuer si vous voulez faire du RP parce que c'est plus du PVP. Donc tout le monde s'entretue et ainsi de suite. Que c'est pas du. Non, non, c'est pas du RP non. Il n'y a pas de circulation, les gens roulent comme des cons, ils tirent à vue. Ouais mais le ghetto c'est ça. Ben non, le ghetto il tire pas sur n'importe qui, sinon personne irait y bosser. Donc bon. Et moi les kikous, au bout d'un moment ça me casse les couilles donc. Au bout d'un moment j'ai passé l'âge quoi. C'est pas ça. Et l'avantage c'est que bon je compte pas aux abonnés ni aux follow donc bon. Et j'aime ma grande gueule. Que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, j'aime ma grande gueule, c'est... lui dire ce que je pense quand j'ai envie de dire FS22 c'est de la merde, ou un tel a fait de la merde. Voilà. Coronel Vivida, c'est ça? Ouais. Ça non mais de toute façon tout ce qui se croit c'est grand fort derrière un PC. Mmh.
Donc, comme j'ai toujours dit, derrière, j'ai beau être derrière un PC, je suis comme dans la vie réelle. Donc. Comme tout à l'heure, l'enculé de paysan. La trimovoie, il est avec sa batteuse et le tracteur derrière. Les autres, ils arrivent au stop, ils s'arrêtent même pas. Heureusement que j'ai du réflexe. Ouais. Alors, je vais traiter d'enculé tous les noms. Au bout d'un moment, un stop est un stop, quoi. Et voilà, ça aurait été avec quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Pourtant, là-bas, je ne sais pas agricole, mais bon. Quand le mec, quand t'es derrière un tracteur et qu'il a la place de ce gramme, il continue quand même, quoi. Ça fait 20 km que tu le suis, mais le mec, il s'en fout, quoi. Ah mais ça gaming c'est parce qu'il y a papa maman derrière hein. C'est la planète comme ça. Pato Branco. Je sais pas mais les montagnes en face me font un petit peu peur. Que s'il faut que je roule là-bas. Y'a pas une pompe à graisse, hein, non, même pas ici. Allez, plus haut. Oh. Comme ça. Oh, mais il y en a pas mal des comme ça. Hein. Mais bon, comme je dis, tout est facile derrière un écran, se cacher derrière un pseudo. Enfin, moi, je sais que moi, par exemple, les streamers, il y en a pas mal aux alentours de Chion, hein. Et j'ai pas besoin de faire beaucoup de routes pour rencontrer pays. Ah, mais de toute façon, c'est la communauté française. Tu vas voir, la communauté étrangère, c'est pas du tout pareil. C'est un truc de fou. Et bon, la commune de France est française comme ça. Ok, thank you. Ah, ah, mais là. Donc. Un 54 litres. Quand même le soleil. Pareil pour les cerises, c'est pareil, c'est le soleil, la balle était au soleil donc. Ah mais oui mais il faut pas charger hein. Et que ce soit celle de farming ou de ETS, parce que ETS quand tu vois qu'ils se font les guerres les mecs sur Facebook entre la carte Grytopia et la promode. Donc moi personnellement j'arrive à jouer sur les deux, c'est juste pas la même manière de jouer, mais les mecs se font quand même la guerre. Donc après de toute façon déjà on est mal vu aussi pour... Oh ben Universimu, parlons en parlant. Sérieux pas. Universimu font partie de la de Black Sheep ainsi de suite donc. Tu m'as compris avec Zero ainsi de suite donc. C'est voilà. Au bout d'un moment. De toute façon la commune française quasi à 99% se lèche le cul donc.
Donc ils se critiquent, après ils vont sécher le cul, donc au bout d'un moment. C'est ça. Mais ça, mais quand tu vois alors je vais dire ouvertement l'enculé de Coco Recommoding avec sa map Channel France. Le Oberman, ils avaient une exclusivité qui s'est créée pour leur map et tout, l'insémination des vaches. Là, tu as fait exprès de sortir sa map 3 jours avant la leur. Alors, piquer le truc, tu fais mais non quoi. Et après, ah, on est mal vu à l'étranger, ben ouais, tu m'étonnes. Moi, je me fais taper sur la gueule, ben c'est normal, au bout d'un moment, tu le cherches quoi. Donc, au bout d'un moment, les mecs, ils cherchent. Par contre, les mecs, ils cherchent pas, tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple de LBDT Gaming, alias d'Abnaconi là. Par exemple, qui a fait sa carte, ça fait 2 ans qu'il faisait sa carte, ainsi de suite. Il y avait des trucs dessus. Il la sort. 6 mois après, il y en a un qui vient le voir. Ouais, tu peux m'enlever ça qui m'appartient. Ça fait 2 ans que c'est dessus, quoi, mec. Au bout d'un moment, il faut arrêter aussi, quoi. Alors que le mec, il fait tout dans un coin, il demandera à personne, quoi. Et surtout que sa carte, elle est sortie après la sortie du 22, donc. Et voilà. Toujours les mêmes. Je prends pareil, le Axel Modding, ainsi de suite. Faut pas se leurrer. Moi je voyais, il y en avait un qui passait plus sur mes lives, qui passait plus sur certains Discord. Ah, tout d'un coup il recommence à passer, donc tu fais, ah, je crois que sa map va pas tarder à sortir. Ah, rien que pour lui niquer sa gueule, il est passé sur mon live, j'y ai fait coucou. Ah moi j'ai fait comme ça sur mon live, et moi il me tarde le 9 juillet là que la map Italia sorte, c'est la seule que j'attends. La map des mappeurs français qui font de la merde et qui piquent les choses partout. Voilà, surtout que tu vois, par exemple, je repars sur Dame Laconie. Le truc qu'il a fait, c'était magnifique. Un village qui a sur la map, il avait fait un monument où il y avait tout le nom des mappeurs, des modeurs, ainsi de suite. Il s'était servi, c'est le seul à avoir fait ça. L'autre, au lieu d'être content, tu vois qu'il fait un truc comme ça, non, non. Oh bah de toute façon, comme tous les suceurs de farming, personnellement. Tous les suceurs de farming en France. Moi personnellement, que ce soit le farming, les DLC et tout, si je les gagnais pas, jamais je leur aurais racheté. Ce qu'il faut dire, c'est de la merde. Le jeu, il manque les 3/4 des trucs qu'il y avait sur le 19. Tu prends le truc que par exemple déplaçable. Avant, tu pouvais régler la hauteur de ton bâtiment, ce qui était bien parce que les cartes sont pas plates. Hein. Là tu peux même plus l'enlever, donc ça te fait des déformations à la con. Donc et le jeu il est bugué de partout. Donc toujours j'étais sur une partie, tout d'un coup j'avais les bottes qui volaient. J'avais les arbres qui faisaient sapin de Noël. Pareil, à chaque fois que je démarre le jeu, je dois refaire toutes mes touches. Là au bout d'un moment, si vous ne savez pas faire un jeu correct, ne le sortez pas quoi, vous arrêtez quoi. Pareil pour les maps, il y a pas mal de merde qui sortent. C'est voilà, tu prends la Steam Farm, c'est devenu une vraie merde. Franchement, ils donnent trop grandi ainsi de suite, c'est plus du multi que pour du solo. Déjà, ils avaient commencé à la 19 à la tuer. Mais sur le 22, c'est fini. Donc, moi j'essaie d'y jouer parce que j'ai une partie dessus, mais je pense pas y rester longtemps parce que voilà. Au bout d'un moment, ça me saoule quoi. Et voilà, tu démarres le jeu, hop, tout faut repérer les touches à chaque fois. Donc, c'est là où on voit qu'il n'y a plus focus derrière. Quand tu vois les DLC à 13 balles, 9 engins et 2 bâtis de fourche, c'est se foutre un petit peu de la gueule du monde, quoi. C'est tiens, je vous la mets bien profond et vous êtes content, vous allez payer, quoi. Et les mecs sont contents. Oh, il est magnifique le DLC, ainsi de suite. Oh, ben ouais, tu m'étonnes, après que tu l'as payé. Surtout qu'après, bien sûr, ils font pratiquement pas de mise à jour, de rajout ni rien sur le DLC. Non, jamais. Alors voilà, SCS, voilà, ça fait faire 10 ans qu'il est sorti, TS2, ils bossent toujours dessus, il y a toujours... Quand il y a une mise à jour, c'est une vraie mise à jour. Ils sont d'abord en bêta, les gens qui veulent la tester et faire remonter les bugs, ils le font. Ceux qui veulent pas, ils le font pas. Mais quand elle sort en pub, officiellement, ben, elle est finie. Ben, c'est de la merde. On peut dire ce qu'il y a, le DLC que tu veux, ça c'est de la merde. C'est comme le DLC, le premier DLC, la Carico, ainsi de suite. Là. Honnêtement, sur les 10 tracteurs qu'il y a pour 10 euros, déjà, je trouve ça fait cher. Mais au résultat, pourquoi? Pour utiliser, allez, maximum 2 tracteurs. Le premier, là, le orange, et le second avec la petite bénette derrière, c'est le seul de bien dedans.
Ouais, c'est ça, Antonio Caraco. Les deux seuls trucs bien, c'est les deux premiers tracteurs. Après le reste, je trouve ça moche. Là, pareil, une sorte de DLC que tu votes, il n'y a que de la merde dedans. T'as pas les tout petits tracteurs pour l'horticulture qui peuvent servir pour la vigne et ainsi de suite. Il n'y a pas. Donc, mais après, nous on vient d'une autre époque où il n'y avait pas de DLC, ça n'existait pas. Le jeu est sorti, il était déjà complet quoi. Si tu prends Gran Turismo 4, il y avait 1000 voitures dedans quoi. T'avais tous les circuits ainsi de suite quoi. Et t'avais pas tout ce système de DLC ainsi de suite quoi. Et surtout maintenant des DLC hors de prix quoi. C'est ça. Ah moi j'ai toujours la Fast Gino Fancy. Je l'ai sur Steam, madame l'a sur Steam, mais j'ai aussi en version collector. Et voilà, c'était à l'époque où ça avait encore faire du jeu le FS19, même à sa sortie, il était beaucoup moins bugué. Là maintenant, c'est comme le premier jour où j'ai démarré FS22. J'ai dit, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce menu échappe? C'est du J4Tout. Il n'y a pas d'autre mot, c'est du J4Tout. Ah, mais il est même pas fini, hein. Il est même pas fini. Je dis moi depuis le début j'ai toujours le même bug. Donc ils ont beau faire des mises à jour, le bug il est toujours. Mais voilà, sur le FS19 c'est arrivé, même mode saison c'était un mode certes. Mais voilà, tu faisais CTRL. Non, c'était Alt S, hop, t'avais tout le truc qui concernait bien le mode saison. T'avais c'était CTRLG pour le Global Company, c'était bien rangé pour les jeans et tout. Voilà, c'était. Là, ils ont tout mis dans le même truc et ça fait fouille. Du J4Tout. Il n'est pas du tout. Même au niveau de l'achat des véhicules, ainsi de suite, c'est pas du tout intuitif. Le 19 était beaucoup plus intuitif quand tu arrivais dans le shop. C'est ça pour la saucisse, quoi. Mais. Après voilà, l'apparition des pierres, on l'avait déjà eu par le passé sur des cartes. Je crois que c'était sur la FS15 où il y avait une carte où ils étaient déjà. Bon, après c'est un bon ajout, je vais pas dire le contraire. Il y a quelques petits quand même améliorations. Mais voilà, ça se compte sur les doigts d'une main qu'on peut être rarement au bug quoi. Après moi j'ai malheureusement j'ai pas joué à sa sortie parce que déjà j'avais pas. Et moi j'ai eu juste à Noël parce que madame l'avait gagné. Pendant que moi j'étais à l'hôpital. Mais sinon j'aurais jamais acheté. Là madame j'ai gagné il y a pas longtemps. Donc, grâce à la team TFB parce qu'on a participé ensemble à un jeu ainsi de suite et on a gagné tous les deux. Donc comme il avait déjà, je dis bah écoute toi tu prends ça et moi je. Voilà. Il m'a dit bah écoute prends le jeu, moi je prends ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais du coup elle a l'édition collector avec le petit gyrophare. Mais après vous pourrez ça parler de lecteur graveur, donc là je vais y commander à début du mois. Enfin je vais aller chercher. Mais après non, le 22, c'est une merguez quoi. Oh mais de toute façon le FS 22, c'est voilà, c'est même si dans un autre derrière, ce sera le dernier. Que bon, faut dire ce qui est. C'est quand tu vois le nombre de streamers qui repartent sur FS 19. Putain, mais les mecs se posent pas la question pourquoi les gens repartent sur le 19 quoi. Alors, autant il y a des modeurs ainsi de suite qui font très bien leur travail pour des modes et tout, il y a des modes excellents. Autant les maps, voilà, tu prends la off que j'adore la off. Moi j'ai joué sur le 17, sur le 19 là, mais sur cette version, voilà, il manque des choses quoi. Déjà, voilà, simplement, il manque pas mal de choses quoi. Contrairement au 19, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens reprennent le 19, parce que voilà. Tu prends le Global Company, tu prends le Manure System, ainsi de suite, mais moi ça me manque sur le 22. Le IC, heureusement qu'il est sorti en mode. Et encore que, il n'est pas non plus, voilà. Mais c'est des modes que ça devrait être déjà inclus dans le jeu. Et... Thank you.
Après, comme je dis, ils devraient prendre un exemple sur SCS. Voilà. Ils sortent des mises à jour, des DLC, et ils se rémunèrent grâce aux DLC, faut dire ce qu'ils... Mais voilà, quand tu vois ce qu'ils sortent, ce qu'ils des mises à jour, c'est des vraies mises à jour. Quand ils rajoutent un camion, il te faut payer un putain de camion de 10 euros, quoi, ou 20 euros. Voilà, ben c'est ce que je dis toujours. J'ai jamais vu un agriculteur acheter sa propre usine. Ah, par contre, là, c'est pas le top, là. Ah, pourquoi il m'a pas fait voyager? Bah, tu vas pas me dire, tu vas voir que j'annule la mission. Ça va, Miguel. Non, après moi, sur le 19, les usines étaient très bien sur le coup. C'était bien géré et tout. Et voilà. Je veux pas la Santa Rosa, moi. Ah si, peut-être que Santa Rosa, j'étais déçu. Alors. Ah mais quand même je dirais. Ah non. Oh ça commence à me casser les noix à ce moment-là. Ah si c'est bon. Et t'as tous les gens qui leur lèvent plus donc. Tant qu'il n'y a pas un gros. En fait, trop parenthèse, gros youtubeur, qui leur lèche le cul, qui leur dira pas mais c'est de la merde ce que vous faites. Hein. Et tant qu'il y aura des gens pour payer. Sur tout ça. Hein. Alors les rails, je me demande à quoi ils servent sur le coup. C'est ça le problème, c'est que tant qu'il y aura des gens pour payer, des gens assez cons pour payer, pourquoi ils se priveraient d'argent hein. Après moi déjà à la base j'étais pas hypé sur le 22 donc au moins j'ai pas été trop déçu non plus donc le pire c'est vraiment qu'il y avait la hype et ainsi de suite hein, qu'ils avaient écouté des gros youtubeurs oh, il va être génial, il va être génial, vas-y je le précommande et tout, ils ont été vraiment déçus ceux-là sur le coup. Mais c'est ça. Après bon il a des très bons côtés, faut pas non plus voiler la face. Et voilà. Le problème c'est que pour aller 4 bons trucs, t'as 20 bugs. Donc c'est bon la végétation par ici. Ah mais ça va. Mais non mais si tu as bien suivi leur truc de saison passe, c'est 4 DLC en un an. Ils en ont déjà eu deux. Alors quand tu vois le DLC qui sortent,
J'ai pas compris les deux DLC qui vont suivre. Celui de l'automne et celui de l'hiver. Voilà. Les mecs vont être contents d'avoir payé 35 balles. C'est bien parce que là il va être à 23 balles alors. C'est pas mal. Oh ben c'est certain, de toute façon, c'est voilà. Alors à mon avis, il risque d'y avoir peut-être un DLC Egeko. Donc comme ça, il mettra un petit massé, un petit cadre, des trucs comme ça, tu vois. Un petit fan, et dire voilà, vous l'avez. On va mettre 4 tracteurs, 20 euros, hop là. Le pire, c'est qu'ils donnent sur le kebab, c'est con. Mais c'est comme je dis, c'est pas parce que j'ai gagné le jeu, que madame a gagné le jeu, que je vais pas critiquer le jeu. Comme je l'ai toujours dit, hein, j'ai toujours tenu à rester indépendant, c'est pas pour rien. Pas d'essai, hein, sérieux. Mon Dieu. Bienvenue à toutes les personnes qui sont sur le live. On n'hésite pas à se follow, à venir discuter, à partager. Ouais, quand même. Ah, mais j'ai regardé un petit peu Air Factor. J'ai regardé un petit peu là sur Steam. Ouais. Oui, mais. Santa Rosa. Pareil. Ah mais ça. Non, après il faut dire que tous les jeux ont quelques petits bugs, mais il y a bug et bug quoi. Ah sérieux? C'est limité à combien sur cette. Ah 30? Putain. Enfoiré. Ouf.
Merci de votre visite, à bientôt. Ah mais j'ai... Ah ouais, j'avais pas vu que l'avait roulé tout là, je m'en avais le même pas. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faisait le panneau par terre alors que je suis jamais passé sur cette route hein. Je t'aime mon cœur. C'est moi ou l'église fume, je veux pas dire, mais... Non, non, l'église fume, c'est bien ce que je me disais. Ils ont cru que c'était Notre-Dame. Ah, c'est quoi cette route? Un peu les pompiers, c'est ça. Bon, la route, ça a quand même bossé, hein. Ah, mais 70. Oh, tout ça, il y a un fort coup de corps, c'est pas joli le vieux Mercedes. C'est ça. Ah ben ils sont magnifiques ces vieux camions. À une époque j'ai eu un 7e SG2 à plateau. Ça marchait bien, ça patinait bien aussi. C'était à vide avec une bonne côte là. Moi j'avais un collègue à moi qui avait un Iveco. Mais monté avec un moteur, à la base c'était un VL, mais avec un moteur poids lourd dedans. Bien sûr le poids ainsi de suite qui va avec. Par contre le truc, la consommation, tu regardais plus la consommation parce que tu pleurais. Et voilà maintenant tout ça c'est fini, c'est plus droit. C'est ça. C'est ça, c'est comme les Renault, les B110, c'est tout là. Là c'est des trucs incroyables. C'est, tu pouvais les charger au taquet que ça bougeait pas.
always go. C'est ça. Gonzaga. Le Rosaf. Oh, et coucou, c'est ça. Ça, c'est du dos d'année. Oh, des voitures volantes. Ah, mais la SAC 90, elle est magnifique. Même on disait c'est une voiture, un tracteur, le truc. Tu pouvais tout tirer avec. Oh. Après, bougez pas. Un tank. Et niveau confort, voilà. Hein. Comme tous les anciennes voitures. Hein. C'est voilà. Et quand tu prends ne serait-ce qu'une simple 405 signature, comme moi j'ai eu, voilà. Toutes les vitres électriques, le confort, voilà, c'est Peugeot. C'est. Et c'est des vieilles voitures, toutes les vieilles voitures, attention, mais tu vois qu'il y a le confort, quoi. Peu importe la marque. C'était des voitures plaisir, ce qu'on appelait donc. Comme maintenant 90% des gens conduisent pas par plaisir mais par obligation, donc la voiture a suivi le truc. Hein. Voilà, la prochaine heure on s'arrêtera là les amis, ça sera pas mal. On refait un bon petit live. C'est ça. Ah mais moi j'en connais qui ont pas, j'en connais beaucoup qui ont passé permis par obligation, hein. Pas par plaisir. Hein. Et qui n'aiment vraiment pas connu. Donc, oh non, moi j'adore conduire. Je conduis beaucoup moins quand même parce que ça me fatigue beaucoup plus qu'avant. Mais, oh non, quand j'arrive de la voiture, que je tourne la clé, ça me fait plaisir. Hein. Même, comme dans le jeu, quand j'arrive là dans mon camion, que je mets le contact, je tourne la clé. Hein. Oh, mais nous les amis. On s'arrête là, on se dit à très vite, alors quand je sais pas, ce soir, demain, après-demain, je sais pas du tout les amis. Donc je vous souhaite une bonne soirée, prenez bien soin de vous, et profitez de la vie, allez, ciao ciao.